Et bonjour à toutes et à tous, c'est TimeLord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez certainement, il y a quelques jours est sorti Pokémon Legend Arceus. Or, comme à chaque fois, on nous promet monts et merveilles, mais est-ce qu'on va encore se taper un Pokémon qui est comme les autres depuis les années 1990, ou est-ce qu'il y a un réel effort de fait? Alors évidemment, j'ai pas pris le remake, hein, parce que j'en ai rien à foutre. C'est des jeux que j'ai déjà fait, je préfère faire d'autres jeux, tout simplement. Épée et bouclier étaient franchement décevants, hein. Bah ouais, le jeu se finit rapidement, il y a les Gigamax, mais franchement, on s'en fout, pourquoi pas continuer les méga évolutions? Ça, c'était cool, ça y avait enfin quelque chose. Mais enfin bref, peut-être vous l'avez aimé, en tout cas dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé ou pas d'ailleurs, ça m'intéresse. Mais nous, pour une fois, on est à la page, et oui, le jeu vient de sortir et je vais faire la chronique là, bam, direct. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche parce que je fais souvent des lives et je vais faire le jeu en live tout simplement. Comme ça on le découvre ensemble et on rigole bien. Mais allez, trêve de bavardage. Est-ce que le jeu vaut le coup? Écoutez, on va voir ça de suite. J'espère qu'au moment où je fais cette chronique, ou du moins qu'elle est publiée, parce que là forcément je suis en train de parler de la chronique que je vais publier, ouais c'est très paradoxal, mais de base j'ai fait du live dessus, d'ailleurs on s'est bien amusé et merci d'être là. Mais le truc c'est que je devais carrément stream toute la semaine et ouais je devais être en vacances. Évidemment hein, parce que tout n'est pas simple dans la vie, bah j'ai pas été en vacances, alors j'espère que cette vidéo sortira, du moins sortira dans les temps. Eh hey, mais je suis en train de vous raconter ma vie. Je crois qu'on devient un petit peu trop intime. Rentrons directement dans le vif du sujet plutôt. Et on retrouve les Pokémon qui sont tout autour de nous. Et c'est vrai qu'en y pensant, c'est quand même vachement dangereux. Surtout que là, c'est pas comme dans Épée et Bouclier, c'est vachement sauvage. Alors juste comme ça, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de se balader avec tous les Pokémon qu'il y a? Là par exemple, il y a un Léviator. Bon, j'ai intérêt à courir vite. Et c'est parti pour Pokémon Legend Arceus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre version préférée. C'est vrai que personnellement, j'ai été très déçu de Épée et Bouclier. À part pour le online, mais je crois que je m'éclate que dans ça, dans tous les cas, dans les Pokémon. Et je parle même pas de perles et diamants étincelants, franchement, insupportable. Et pour une fois, ça va être une chronique un petit peu plus compliquée, tout simplement, parce que de ma part, du moins, il y a beaucoup de bons et aussi beaucoup de mauvais. Donc, restez à la fin pour avoir mon avis qui va essayer d'être le plus objectif possible. Car effectivement, c'est difficile de trancher. D'ailleurs, regardez, avant de commencer, oui, je voulais juste vous montrer ça. Voilà. On peut sauter et mourir. Oui, alors pas vraiment mourir, on est d'accord. Mais quand même. Eh bien, vous savez quoi? On va commencer avec le négatif, hein, tout simplement. Et on finira sur le positif avec une petite note de douceur, bien évidemment. Or, au niveau des points négatifs, bon, bizarrement, je dois avouer qu'il y a plus de points négatifs que positifs, hein. Mais les positifs sont aussi vachement à prendre en compte. Or, déjà, ça, on l'a vu, moi déjà, et ceux qui étaient en stream, il y a une heure de tutoriel. Ouais, à peu près. Alors bon, c'était mon premier stream, autant vous dire que c'était déjà pas facile de répondre aux gens. Mais en plus de ça, de se taper le tutoriel, qui est en plus compliqué parce que là, c'est pas les mêmes Pokémon qu'avant, forcément, c'est pas la même manière de jouer, donc on va dire que c'est nécessaire, mais il est quand même incroyablement long. Et du coup, ça me permet d'attaquer directement mon deuxième point négatif, c'est que les scènes sont inutilement longues. Oui, il y a, regardez, le temps de transition, c'est juste long, il y a des scènes, en fait, avant que les gens parlent, et déjà, quand les gens parlent, c'est long, mais il y a des micro-scènes comme ça, des trucs qui ne servent à rien. Évidemment, au niveau de l'histoire, c'est très bof, hein, franchement, c'est bof, voilà, on t'harcèle en fait, on te répète 10 000 fois les mêmes trucs, on te prend par la main, comme dans tout jeu Pokémon, et malgré que ce soit un petit peu plus mature, j'ai bien un petit peu plus, hein, voilà, eh bien, ben, ça accroche pas, ça crush pas plus que ça. Et ensuite, on va passer à un point négatif que beaucoup de monde en relevé, qui est franchement, mais pas possible, c'est les graphismes. Non, mais c'est pas vrai, déjà la distance d'affichage, mais pourquoi c'est autant renié? Alors là, je sais, la Switch, ça a pas de puissance, hein. Si vous avez les derniers
téléphone, c'est déjà bien plus puissant qu'une Switch. Et j'exagère pas, je dis pas ça pour me moquer, c'est vraiment en termes de puissance, c'est nul. Mais les gars, il y a quand même du The Witcher, et de toute façon, on va rester dans Nintendo. Ben ouais, Zelda Breath of the Wild, mais regardez, c'est sorti en 2017. Mais regardez, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Alors là, ils ont été feignants, et c'est un point négatif, évidemment, sur plusieurs trucs d'ailleurs, mais c'est un gros point négatif, ils ont été feignants. Là, c'est juste pas optimisé. RIP d'ailleurs ceux qui achètent la Switch OLED à 50 balles. En plus, hein, mais je me demande pourquoi, parce que, en fait, avoir un meilleur écran pour avoir un rendu dégueulasse comme ça, mais franchement, ils se foutent la gueule du monde, quoi. Après, comme disait un pote avec qui j'en parlais, c'est vrai que Pokémon, ça se vend. Petite dédicace à Clément, comme ça, ouais, je dis, comme ça. Bon, et un autre point, qui est un mauvais point, mais un bon aussi, c'est qu'il n'y a pas de dresseur. Non, enfin, il n'y a pas de dresseur, il y a quelques combats, mais vous n'allez pas trouver comme ça dans la nature des dresseurs. D'ailleurs, il n'y a pas d'arène. Voilà, on continue, on brise absolument tous les codes. Mais ça, à la limite, si c'est bien fait, voilà, je sais que beaucoup de gens, ça les a choqués, mais au bout d'un moment, c'est vrai que moi, en tant que fan de Pokémon, ce que je demandais avant tout, c'était enfin un petit peu de nouveauté. Et la nouveauté, on l'a. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'appel aux farms. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'appel aux farms? Ben, c'est très simple, en fait, pour donner un exemple, vous avez le Pokédex, mais c'est pas vous attrapez un Pokémon et vous avez tout dedans. Eh ben non, pour avoir je ne sais combien d'informations, il faut farmer, farmer, farmer. C'est-à-dire affronter plusieurs fois le même Pokémon. C'est comme ça que vous gagnez de l'argent, vu qu'il n'y a pas de dresseur, de toute façon, vous pouvez pas racketter les gens. Mais voilà, il faut faire de l'argent comme on peut, et c'est un moyen de se faire de l'argent. Alors, honnêtement, je dois vous le dire, ça m'a un petit peu amusé. Voilà, j'ai beaucoup farm, parce qu'on va venir sur un autre point positif, qui sera le premier point positif dont je vais parler, et c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire. Mais c'est malmené. Ensuite, il y a peu de Pokémon. Et ouais. Alors, je sais un petit peu, je me suis pas spoil, mais je voyais un petit peu les retours, les avis, et des gens disaient qu'il y avait peu de Pokémon. D'ailleurs, on m'a dit ça en stream. Et effectivement, alors, première zone, je me dis, c'est pas mal. Deuxième zone, ok, bon, j'apprends ensuite qu'il y a 5 zones. J'arrive dans la troisième zone, je recroise déjà des Pokémon que j'ai déjà croisés, et j'arrive ensuite dans la quatrième zone, et rebelote. Donc, du coup, ils utilisent pas mal de Pokémon qu'il y a déjà, quoi. Donc, une petite déception, c'est vrai que, encore une fois, on sent de la flemmardise, on va pas se le cacher. Ensuite, le point que tout le monde a relevé, alors oui, c'est bien de faire un monde semi-ouvert, et franchement, pas comme Épée et Bouclier, où c'était tout naze, hein, on va pas se mentir, c'était naze de chez naze. Là, c'est des zones qui sont complètement à moitié ouvertes, et d'ailleurs, pour du semi-ouvert, je trouve les zones assez grandes, entre grandes guillemets. Mais je vais pas rentrer dans des comparaisons de d'autres jeux, même si je pourrais, mais le problème, vous l'aurez compris, si je commence à parler de ce Pokémon et le comparer à Zelda Breath of the Wild par exemple, ça va chier. Mais encore, Breath of the Wild, pour moi, c'est pas la grosse référence. Oui, vous pouvez me huer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je suis plus Skyrim ou The Witcher, hein. Sur ça, y a pas à chier. Mais voilà, le monde est ultra vide. Il y a quelques maisons, ouais, mais qui n'ont aucun intérêt. Je sais pas, c'est toujours pareil, c'est des collines, montagnes. Oui, il y a des grottes, il y a des petits trucs, mais c'est pas suffisant. Les gens, c'est pas suffisant. Même si c'est un monde semi-ouvert, c'est pas suffisant. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très vide. Alors oui, vous allez être occupé. Vous allez être occupé parce que il y a des Pokémon à attraper de partout. Il y a XP. Il y a quand même des choses. Il y a des Pokémon dominants, on va dire ça. Enfin, des gros Pokémon. En gros, je sais plus le terme exact, mais franchement, OSEF total. Ben, c'est vrai que c'est toujours pareil. Vous allez vers une fin de zone. Vous avez un gros Pokémon. Vous l'attrapez pas. Et voilà, c'est tout. Bon, je viens de me rendre compte, avant d'arriver au point positif, que je suis déjà à pas mal de temps de vidéo. Mais écoutez, ça c'est pas grave, il faut en faire, parce que franchement, il y a quand même de quoi dire. Le premier truc, mais c'est assez personnel pour moi, c'est la difficulté. Commencer à y en avoir marre, mais alors marre, c'est pour ça que Pokémon Diamant et Perle, par exemple, ben je l'ai pas refait, parce que ça me saoulait dès le début. Les jeux sont beaucoup trop faciles, on vous prend par la main. Alors oui, ici aussi, le tutoriel, il est extrêmement long, mais c'est pas grave, parce que c'est des nouvelles mécaniques. Enfin, un peu de difficulté, parce que pour ceux qui ont regardé mon stream, je me faisais mais défoncer la gueule. Oui, bonjour, je viens soigner mes Pokémon.
Ouais, c'est que la 10e fois de... Ouais, sur 10 minutes, mais bon. Et le jeu est devenu plus dur, hein, qu'est-ce que vous y voulez? Et j'ai regardé un petit peu les avis des gens après, et aussi se faisait défoncer la gueule, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y ait enfin un petit peu de stratégie. Quand je dis stratégie, ok, c'est pas la stratégie online, qu'on soit bien d'accord. Mais le fait de pouvoir se défoncer à tout moment. On peut pas arriver, par exemple, contre un Pokémon eau, et peu importe le level, et arriver comme ça, et taper comme un dingue. Avant, ça passait, on s'en foutait. Là, tu te retrouves quand même à faire des strats, donc c'est-à-dire essayer de bien choisir les compétences. Ne pas avoir, si tu as un Dracaufeu, d'ailleurs je crois qu'il n'y est pas, donc mauvais exemple, mais c'est l'exemple qui va parler au plus de monde, l'avoir et se permettre comme ça tranquillement de mettre que des attaques feu. Il faut réfléchir un minimum. Et ça, franchement, c'est grave bien. Ensuite, le point positif, je l'ai mis dans les points négatifs aussi, mais je dois quand même en reparler, c'est le monde semi-ouvert. Ben ouais, ça fait plaisir. Encore une fois, je compare à Épée et Bouclier, où c'était vraiment mais nul de chez nul, où il n'y avait qu'une vieille zone. Enfin bon, après, il y avait les DLC, mais bon, vous savez un petit peu ce que je pense des DLC, hein. Le monde semi-ouvert est pas si mal, bien qu'il soit vide. Je vais plus parler, en fait, je m'attendais vraiment à des petites maps ou un petit peu à la Monster Hunter, en fait, plutôt des zones et tout. Mais là, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, j'ai adhéré. Et ça fait enfin plaisir de pas être cantonné, d'aller à une ville en passant par une route. Alors oui, il n'y a pas de dresseur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais franchement, ça m'a pas dérangé du tout. Il y a un mode craft, alors est-ce que... Oui, je le mets dans positif. En fait, je suis en train de lire mes notes en même temps. Forcément, parce que j'écris avant, sinon je m'en sors pas. Et j'ai mis le mode craft. Donc, en gros, pour ceux qui sont pas au courant, on doit craft nos pokéballs, nos potions, etc., etc. Alors, est-ce que c'est ultra positif? Bof. Première chose, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air méga relou. Parce qu'en plus, la place de l'inventaire est limitée. Ça se fait un petit peu semi-RPG. Mais au final, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que c'est ultra simple. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Survie. Alors, oui, j'ai mis survie aussi, parce que bon, évidemment, moi qui suis un fan des jeux de survie, ça n'a rien à voir. Et vous, vous dites, mais il repère la survie dans ça. Mais le truc dans ce Pokémon, et qui est quand même carrément cool, on va pas se mentir, c'est qu'il y a un petit peu un aspect survie. Alors je dis bien un petit peu, mais dans le sens, par exemple, que si vous avez plus de Pokémon, vous allez pas, vous êtes comme ça. C'est-à-dire que vos Pokémon sont morts, enfin, sont KO, du coup, et vous devez en fait courir pour aller retrouver un camp et retrouver la vie et les soigner. Je trouve ça plutôt pas mal, même le côté craft, du coup, en fait partie. La manière aussi d'attraper, c'est-à-dire vous pouvez attraper comme un gros bourrin, on va dire de manière assez normale, vous êtes en combat, vous réduisez les PV du Pokémon et ensuite, bam, vous l'attrapez tout simplement, ou en mode sneaky. Alors quand je veux dire sneaky, c'est-à-dire bien évidemment discret, c'est-à-dire vous arrivez tranquillement et vous balancez des Pokémon. Et ça, c'est plutôt cool parce que en fait, on doit pas se faire repérer par les Pokémon. Il y en a ils sont clairement aveugles et il y en a qui sont par contre bien plus forts pour vous détecter. Et j'ai trouvé cette mécanique carrément sympa et réaliste. Dans les points positifs, j'ai aussi mis les montures, que ce soit sur l'eau ou que ce soit sur la terre, elles sont franchement sympas et le rendu est carrément cool. Ensuite, il y a un point qui va peut-être paraître bizarre, mais j'ai mis côté Pokémon sauvage réussi. Il n'y a pas de dresseur en fait, vous êtes vraiment lâché dans le passé. C'est-à-dire, il y a les Pokémon, il y a vous, d'ailleurs ça part pas mal de sujets par rapport à ça, et on sent que en fait, l'humain n'est pas en haut de la chaîne alimentaire. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas des villes de partout, il n'y a pas le monde qu'on connaît. C'est vraiment un monde avec un vieux village, quelques maisons par-ci par-là, mais c'est les Pokémon qui sont largement dominants. Et on parle plusieurs fois au niveau de l'histoire, justement, de la relation entre les humains et les Pokémon. Et voilà, donc du coup, comme j'ai dit, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de dresseur ni d'arène, c'est complètement cohérent. Et personnellement, j'ai adoré cette ambiance, malgré qu'on n'est pas ultra, ultra plongé dans l'ambiance au niveau des graphismes. Au niveau de la manière de faire, je trouve que c'est réussi. Et en point positif, j'ai mis addictif tout de même. Ouais, parce que vous vous doutez bien, je fais beaucoup de chroniques, j'ai très peu de temps pour jouer pour moi-même, et c'est très rare que je me lance vraiment dans un jeu. Et c'est pour ça que ce jeu, il aura eu le truc de m'avoir fait jouer carrément tout un week-end. Oh oui, pour certaines personnes, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme.
Au niveau de mon avis, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de tanner le jeu. Je suis le premier à dire que les Pokémon, c'est toujours les mêmes depuis la Game Boy Color. Et c'est vrai, franchement, pour les avoir tous faits, bah c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. C'est redondant, c'est toujours pareil. Et il y a du changement. C'est pas forcément ultra bien fait. C'est le problème qu'on va avoir avec ce jeu. Mais ça n'empêche pas que les nouveautés sont juste super dingues. Donc j'espère honnêtement que ça va rester sur cette voie. Il y a moyen que pour la 9e génération ce soit un petit peu pareil, mais avec carrément des villages, des villes, des arènes, un petit peu le concept qu'on connaît. Mais si vous hésitez, franchement, pour moi, qui ne suis pas trop Switch, hein, je vous le dis quand même, ben franchement, j'ai pris du plaisir. Même si au bout de quelques heures, en fait quand même pas mal d'heures, parce que je rappelle quand même, j'ai fait 6 heures en stream. C'est mes premières heures, c'était 6 heures en stream, voilà. Et c'est un des rares jeux actuels où j'ai pas vu passer le temps. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire, à lâcher ton petit like, et pourquoi pas à t'abonner. Bah ouais. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.